C'est autour de 20h10 de ce mercredi 27 avril 2022 qu'est l'annonce faite pour l'arrivée du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, s'est concrétisé. Au pied d'avion pour son accueil, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, avec à ses côtés le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Passage des troupes en revue terminé, le chef de l'État congolais a salué différentes personnalités présentes à l'aéroport, rangées pour saluer la visite du grand de la nation dans la province du Haut-Katanga. Les premiers citoyens congolais et dans la ville qui préfèrent pour s'enquérir des résolutions de la conférence interprovinciale sur la cohabitation pacifique ouverte depuis vendredi dernier, les tenants et les aboutissants des exodes ruraux que connaît les grands Kassai en se déversant sur le Haut-Katanga. Au-delà de tout cela, Félix Tshisekedi procédera à la clôture de cette table ronde qui a réuni 9 gouverneurs de 5 provinces du Grand Kassai et de 4 provinces du Grand Katanga. Bien qu'il a atterri tard, toutes les couches de population ainsi que les sympathisants des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation s'étaient fortement mobilisés depuis les premières heures matinales pour lui réserver un accueil digne de son rang. Et l'ambiance était exceptionnelle.